Maman, l'excès.
Patron Bobo, je suis en contact avec la voiture Mibali. Oui, maman, mission accomplie. Nous sommes attendus. Nous sommes en déchets. C'est lui qui est à moi le plus grand que celui qui est dans ce monde. Mama. C'est Jésus de Nazareth. Yes. Il y a l'équipe à Bonio surtout. Maman, on y va, toquer le banda. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Maman, toquer le banda. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Yahweh. Maman, toquer le banda. S'il vous plaît, toquer le banda. On ne lui voit pas le tour à terre. Maman, on ne lui voit pas le tour à terre. Jésus, t'as vu. On est désobéi. Maman, on est désobéi. Même si elle est là, elle va faire pour l'instant. Non, ça y est. Ce fait, c'est vous. Vous m'avez demandé. Ne le faites pas. Oui, c'est bon, maman. Ces derniers temps, franchement, tu as tellement changé. Tu deviens rare à la maison. Tu rentres tard. Tu sors le matin, tu reviens que le soir. Et puis, Ozoya, dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je dépense mon argent pour payer tes études. Hein? Tu sais combien je souffre, Péro? Tu sais combien je me bats? Femme seule,
Alors, tu sais que tu as un peu chaque fois, tu as un peu tu dois concentrer à tes études. Et non d'aller trimballer partout, par-ci, par-là, oh non, bah moi, on a aucun azo, mais là-bas, ça n'a pas, bah moi, on a fait une mousse. Mais c'est trop pire, arrête ça. Non, maman. Je pense cela. Je prends la bière, mais je prends l'alcool, mais pas en excès. Avec modération, maman. Mais c'est mauvais. C'est mauvais écoute, pour la santé. Écoute, c'est même pas ça, ok? J'ai vraiment des problèmes. J'ai vraiment des problèmes. Quel problème que tu as? C'est un peu compliqué, mais je dois quand même te relater. Là, c'est important. Oui, c'est important. Mais dis-moi, non, c'est ta maman. S'il y a un problème, tu me le dis. Maman, tu imagines que ton fils, moi, qui suis là, je voulais épouser une femme. Quoi? Tu voulais faire quoi? Épouser une femme. Normalement, et je voulais... Louer de parents anonymes? Attends, mon fils, il veut aller épouser une fille. Sans que ma maman est naïba. Maman. Et qui est cette fille-là? Maman, c'était pas important, Oyeba. Ce qui est vrai, j'ai une fille, je parle d'une fille que je vis avec. C'est une copine à moi, Nazakanaïe, et puis on étudie ensemble là-bas à l'université. Mais maman, c'était pas important parce que c'était pas officiel de le faire comme ça, venir avec une fille à la maison pour dire que non, c'est ma copine, maman, c'est pas propre. Tu me caches des choses. Maman, je te cache pas, j'allais le faire. C'est que si je comprends bien, c'est cette fille-là qui t'a dit d'aller louer le parent ailleurs. Même pas. C'était forcément. Attends, je vais t'expliquer maintenant calmement. Okay. Maman, la fille, on était bien, on vivait ensemble. Et puis. Nous sommes des chrétiens, tu sais bien, on part à l'église, on part à Mangembo. On nous apprend des choses. C'est vrai que nous sommes de pécheurs, mais j'ai évité tellement de choses qui sont un peu sales devant Dieu. Pour dire que j'évitais des contacts, je parle des contacts corporels. On était juste amis, on se parlait bien, on se voyait, et puis on avait des projets entre nous. On n'y pensait même pas. Vous comprenez quand même. Donc on n'était pas là pour faire des histoires de moi si dans mon bali comme ça se passe. Et je m'étais arrêté là, on était bien. Et soudain, et la fille, après un moment, elle était là chez moi pour me parler des choses bizarres, pour me dire qu'elle est enceinte. Comment? Enceinte comment? Elle m'expliquait des choses, tout ça. Mais attends, Soko Boyango, on va aller à la justice, au Kangayo et tout ça. Parce que moi, si sur le Bili Kamoubagondimaye, facilement, regarde, tu dois comprendre que Ngana Zaranayo, on a des vidéos, on a des photos, tout le monde, des collègues, des amis, baby, qu'on est ensemble, on vit ensemble. Donc tu dois accepter parce que mes parents sont tellement colériques et son père, il est furieux. Il insiste à ce que les gars se présentent. Et pour son père, il faut bah, honorer moi, Nanaye, parce que son Nyana, pour supportant, on te de voir que moi, Nana, moi, si. Et Basali acte Moka Bongo, il est renommé et tout ça, il y avait tellement une histoire là. Et toi, elle m'a dit, tu es vraiment sincère que tu l'as jamais touché. Maman, je n'ai jamais touché la fille. Je t'ai sérieux. Mais on comment a essayé il de peut parler. Faire une chose si elle comme m'a, elle ça. M'a coincé, elle m'a menacé. J'avais pas de choix, donc j'avais accepté sa proposition. Et alors, c'était quoi? C'était juste d'accepter d'être là devant ses parents et que ses parents me donnent quelque chose, m'empruntent, je veux dire. Quelque chose et puis avec la situation, je pourrais maintenant venir officiellement pour le mariage. Pierrot, excuse-moi maman, j'avais pas de choix donc tu je parlais. Tu es vraiment stupide. Maman, c'est déjà passé. Attends, je vais t'expliquer. Franchement, j'étais là, je parlais avec mes amis, avec en fait on avait compris que donc hey je devais au moins le faire. Et j'étais déjà là dans démarche pour louer des parents. On m'avait remis même si une affaire de $10,000 comme avance et tout ça. Et j'avais pris cet argent. Je voulais pas ce que Naïe Bissayou. Non, c'était juste avant, on m'a donné $2,000 pour venir à Bandavanine. Alors, je suis venu à Bandavanine. Et où est-ce que tu as mis cet argent? Ah, l'argent, je vais utiliser Namoussé, hey, regardez tout ça. Mais c'est pas ça, maman. Faut même pas aller loin parce que c'est faux. C'est faux. À la mais fin, comment c'est faux. Tu peux accepter cette somme-là? Comment tu as accepté? Maman, il fallait pas. J'avais peur, c'est bon. C'est bon. Mais ça n'a rien entraîné, maman, écoute. Mon Dieu. Après cela. La fille m'a retrouvé encore pour me parler. Et je lui ai demandé, parce que moi, pour moi, je savais qu'on allait fixer la date comme prévu.
pour le mariage et puis la fille a changé maintenant de version. La fille m'a raconté qu'elle est, elle vient de, je sais pas si de Lubumbashi comme ça. Donc elle venait de Lubumbashi, elle m'a parlé de Lubumbashi et elle était ici à Kinshasa et elle s'est retrouvée auprès de ses parents. Bah elle aussi aimait quand ça baba ça parents naïe et après elle a comprendre que baba ba parents naïe était na makamuke bimiona. Pourquoi? Parce que son père ma parole n'est je dis parler je parlais de deux mais ils a papa na indi azali papa na yi mais maman wa zakana ya maman na yi donc papa wa zakane na ndaku a comme que forcéyé enfin que basse pas bim ensemble donc a violé je veux dire oui il a violé la fille et a comme c'est comme habitude pour na yi enfin que ba comme que ça ensemble donc elle avait peur de parler à sa mère parce que celui-ci maman na yi azobanga que mariage ya maman na yi na papa et beba et tout ça base à la bien une histoire comme ça et puis à la fin la fille me dit que ekoma qui na niveau que akoma grosse donc la grossesse que je te parlais d'ici que nana eba qui j'étais innocent c'est vrai j'étais innocent parce que la grossesse ça appartient de son père je parle de son père donc papa n'a rien de m'en grosseillé et c'est par là papa pour qui pressionne à ta monnaie que ceux qui maman na yé aye biango attends je n'ai pas compris. Papa ou en grossé ou en a, aza papa ou aboti. Aza papa n'est pas en Lubumbashi, papa n'a zara n'a belé et belé. Donc une histoire de comme ça. Son père s'appelle Elko. Et puis le monsieur Elko a pota bana et belé, belé, belé depuis Lubumbashi à Sundola bana Moussousou. Preuve, on est même la fille. La fille, on a zoubetali solo, on a bimakanaye. Bah Sundola na âge il y a 11 mois. Na 11 mois dans Lubumbashi. Et à na 11 mois on allait bas sundo là yé n'est cela que maman wana soit disant nabi que bon en fait parce que c'est pas sa mère et alors que c'est cela que bah y a né à on a Kinshasa n'est cela que bah couteni na papa wana une histoire bizarre mais ce qui est vrai j'ai compris que le papa le polygame oh bota est belé 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 wana à sundo là la fille donc à Tika Mwana yango celle qui va venir on a continué à Kinshasa et à Kumisko on a souk attend à Monique la dernière femme wazani nanda ko alinga balayé elle a bien protégé maintenant mon mari qu'est-ce que je veux faire maintenant je dois sauver Bétizo Asali te kota papa moi pourquoi maman non allons-y maman déjà allons-y, déjà signé pardon pourquoi maman c'est important je dis on part maman elle m'a déjà demandé tu pardon fais pas la tête Pierrot viens on part non. Benjamin a demandé pardon. Elle m'a demandé pardon. Et puis j'ai compris, j'ai dit ça, c'est bon, je vais arranger ça. N'a mis aucune des sons, une saleté, une bêtise, une bêtise, une bêtise, ma histoire est dans le noir. Mais c'est parce que c'est un grand problème. Tu veux quoi, maman? Mais je l'aime, maman, moi je l'aime. J'aime Béja. Tu aimes qui? Maman, je l'aime. Je dis arrête avec cette histoire, ça, et cette histoire d'amour. Arrête avec ça, s'il te plaît, Pierrot. Tu ne sais pas ce que j'ai dans ma tête. Quoi? Quoi, maman? Hé, hey, maman, si vous partez, c'est pas aujourd'hui, hein. Au moins demain, parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement de cours. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Nous avons dit maman, est-ce que tu es là? 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 Pourquoi tu es là? Parce que tu es là, tu as un compte à rendre. Maman Marie-Hélène, là, qui est là, tu as une conception de ta bêtise. Je suis un peu plus de temps.
Pourquoi mouté maman B? Biloko on a soko zoki ngolo lelo et après ngé salo nini maman. Donc mouté maman B ni son les équipes pour la biloko. Moi ça ba tout père que maman ba ta sali ba kiss na ya zui biloko. On yo kati biloko mo ba no les ala kati le to bota mi to mikolo. Lelo soko na perdre li bala ngolo. Li bala ngana na nyu kwa meli na koti nda kwa nganga na yeba kité. Maman na ngamu ka kotinga ala isinga nda kwa nganga. Lelo siko na komi victime na zangi na mo bala ngolo na nyu kwa meli na zangi nyo so lela tikali a na zonye pa na osepeli. Alors, si moi je vous dis des choses, faut quand même me croire. Qu'est-ce que je vous disais en fait? Non, c'est toi, non? Ah non, les gens. Qu'est-ce que moi je te disais, Charlène? Moi je ne savais pas, c'est pour ça que je disais comme ça. C'est la comment sorcellerie. Ça? Hein? Comment je disais que c'est une hypocrite? Moi je voyais déjà qui elle était. Mais c'est une grande hypocrite. Tu t'imagines un peu. Donc, sortir avec ton père. Non, c'est pas normal. Non. Dans tout ça, coucher avec mon propre père. Parce que dès que quand on a un dîner là, mais j'ai ça monté maman, les monté maman, quand c'est commencé, arrivé jusqu'à ses poids, et puis ça s'est pas arrêté là et tombé enceinte de son propre père. Maman, comment est-ce qu'on peut avoir un cœur dur comme ça? Et puis elle est sérieuse quand elle parle de Pierrot, c'est Pierrot, elle est sérieuse. Mon sujet dit, Pierrot c'était l'enfant sérieux. Donc elle est venue ici pour détruire la vie de Yaman la Mobale Abatou. Pierrot c'est un jeune innocent. Oui mais elle pourquoi ça la Pierrot vous était. Donc on dit maté. Je ne peux pas regarder Pierrot. Oh mon Dieu, quelle honte. Et nous qui marchons avec vous allez bien? Oui, salut. C'est la honte de voir de si belles nanas comme ça. Mais hors que vous faites de sales vies à la maison. Non, c'est honteux. Arrêtez, s'il vous plaît. Vraiment honteux. Et ça, c'est question que j'ai sali ma cambouza. Et ça, c'est que bon, à qui j'ai mis son nom. Mais dis-moi qui tu fréquentes. Non, même pas. Et alors, tous à la pince, ça la bien. Ça va bien la boire, ma belle. Non, mais écoutez, qu'est-ce que tu parles? On n'a pas le même sexe. Vous êtes des femmes, nous sommes des hommes. Et alors, ça fait quoi? Moi, tel que je suis là, je ne peux jamais, en aucun cas, sortir avec ma maman. Même ma marâtre, je ne peux pas. Écoute, elle à un moment donné, moi, je me pose des questions. Si elle s'est lancée, elle était là, elle ne savait pas. Ah, ok. Au moins, tu as compris. Elle vit avec elle, elle dort avec son père. Arrête de faire de semblant. Non, elle savait. On ne savait pas. Mais ne mélange pas. On mélangeait les bisons. Il ne faut pas nous mélanger. On n'est pas toutes pareilles. Ok, donc tu vois maintenant, c'est plus sévère, ça devient Rafiki. Elle a fait ces bêtises-là. Mais vous étiez tous au courant. Au courant de quoi? Si tu dis pas comme ça. Non. En tout cas, elle m'a énervée. Elle m'a énervée. Bien sûr que oui. Ok, c'est bon. Moi, je vais juste vous demander. Je vais juste vous demander, ouais, parce que jusque là, bazar, on a groupe d'études, on a non balouette. Oh, donc au côté de la gouffre, on a Ndumba, on a ça, qui Ndumba. Ah, sont là, moi, je ne vais pas te permettre. Tu comprends? Oh, ouais, c'est des bisous Ndumba, t'es? Mais vous êtes Ndumba. Ndumba nanine. Je suis à l'université, pour l'accès à l'omimousou, mais hors de la maison, fait des. Vous ne savez que Tina licence est commis. Mais peu importe. Auditoire, on a bisous boyo qui s'y a mis Sony Makasi. Elle est la seule à l'université. Sortez avec de papa. Non, n'importe quel
papa, non, Rafiki, tu peux pas me dire, c'est toi qui m'as conduit avec lui. Non, tu peux pas. Elle a fait ce que tu veux. Pour lier bagarre d'université, pas comme ça. Mais ça va plus loin. Là, tu commences à déborder. Vous sortez avec le papa. Même pas. Mais c'était elle, la pute. Même si on sort avec le papa, elle n'a pas fini, elle est venue à l'université. Ça fait quoi, vous aussi, vous sortez avec les mamans? Et vous aussi? Avec ma mère, ma propre mère. Je ne peux jamais toucher à moi. Maintenant, nous. Maintenant, pourquoi yo, mon enfant, papa, n'a Il y a un peu de temps. Boke Luka, CP Rigobert. Voilà. Pas chez moi. Na longo libino sikoyo. Les samedis, je ne veux plus vous voir dans notre groupe d'équipe. Non, non, mais Rafiki, comment tu peux agir dit, comme ça hein? Même on peine. On paye la nous sommes venus. Nous sommes venus vous parler. Na yenga CP na bino. Mais tu veux nous parler de gens qui sont tu es en train de nous qualifier que non, déjà fait ses bêtises. Elle a commencé des bêtises chez elle à la maison. Elle a amené ça ici à l'université. Et puis tu voulais nous mélanger avec elle. Des filles légères. Ah, garçon léger. Non, non. Dis-moi, moi je peux sortir avec une mère. Tu es malade, toi. Et puis tu me tutoies comme si j'étais ton ami. Fais gaffe, hein. Oui, parce que toi, tu m'as dit. Tu vas rien faire. Allez chercher autre CP, pas chez moi. Pas dans mon groupe de tout. Nous allons trouver. Faux d'elle ou quoi sur mais tu vois, moi je ne peux pas accepter ça. Hein. Non, c'est vraiment comme moi. Demandez à nos pères, ma belle, j'ai un téléphone dans le banné. Moi je suis venue à cette université, c'est pas seulement pour blaguer, mais insister à tout le monde. Moi je suis sonnée, pourquoi ça va tout le monde sonnée? Pourquoi? Nous devons faire une semaine à la maison. Vous voyez comment on est lié. Bisso dosa mélanger nous. Na ba rafiquer au bani ba comment on finga bisso les filles légères. Alors que hier za cannabis tout le temps. En tout cas moi je ne peux pas d'ailleurs marcher avec vous, ça devient trop dangereux. Ah, non, ma chérie, ça ne fait pas ça. Oh, c'est quoi, ça devient quoi? Ah. C'est donc voilà. Non, grand frère. Vous avez vu le degré le plus aigu de votre inhumanisme. On peut avoir de l'argent, on peut avoir de moyens, mais quand on n'est pas sérieux et malheureux, voilà là où nous sommes arrivés. Mais ce que vous avez dit, moi, nous, on est comme moi, nous, on a la route. Mais c'est toi le pont? Tu peux être désordonné jusqu'à ce que Osikoyo, tu as couché, tu as mis dans ta maison ma fiancée et tu as couché, tu couchais avec. Non, mais tu couches avec. C'est une ancienne histoire. Là, je ne connais pas ça. Ne me raconte pas ça. On en a eu bien monté. Qu'est-ce qu'elle va comprendre? Ou bien on sera na kisi, ou bien on
Elko. Madame, tu m'as connu? Oui, parce que l'ongue au thé. Et l'ongue au bangoté. Je donne ma langue au chat, madame. Donc ta langue au chat. Madame, s'il vous plaît. Explique-toi un peu. Mais pour ton apéro, tu oh, maman a vu, non? C'est ma maman. Maman a bon, en fait, bon, oui, maman a bon, aussi, bon. Aussi, maman a madame, est-ce que au qui que tu présentais, t'es? Ben, c'est ma maman. C'est ma maman. Oh. Ma maman à moi. Mireille. Ma maman, moi, t'es maman. Et puis Mireille était à Lubumbashi. Oh, tu as gagné mon PC 1000 dollars. Oh, il va te débrouiller. Tu te rappelles plus? Mireille. Côté. Côté, il y a Yayani. Il y a golf. Il y a golf et il y a Jekamine. Mireille, Jekamine. Oh, beau, tu as mon amour, c'est quoi? Oh! Monsieur Bangate. Attends, maman, c'est là. Il y a quelque chose ici. Papa dit tout ça à Sangla. Elle n'a pas sa mère à ma boucle. Elle n'a pas rappelé. Oh papa, Nicolas, il y a rien à dire. Yo, papa, non, il y a un chef au territoire. Papa. Le roi n'a pas net. Le gars qui est belé, hein. C'est ta mère. Le gars qui est belé. Mais c'est ma mère, je comprends rien. Oh, mais écoute. Mais maman, il y a déjà. Je vois que le rapport n'est pas comme tout le monde. Maman, il y a déjà. Hein? Moi, je suis après ça. Oui. Moi, je bébé. Quel sacrilège! Eh, oh, sacrilège, t'es. Mais j'en ai un Pierrot Bazar. Il y a un Alec. Elko, oh, yo, Elko. Oh! Moi, j'en ai un gagné. Oh, yo, foutu, n'a yango. N'a j'aime à moi, Elko. Je comprends rien. Elko. Moi, j'en ai un moi, ça. Maman, c'est là, non, je comprends rien. Tu n'as pas compris comment? Béja, Béja qui? Je suis allé à mon côté. 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 Osaman, t'es qui? Écoutez, maman ne me dit pas que oui, ça a été que Béja, Azamo Lanayo. Et puis, moi, Lanayo, est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Yukutana et Nana Yina Péro. Béja, c'est ta petite soeur. Oh, yo, la t'imanette, yo, ndokyo. Ndemo bano abotanga Béja.
Asundola mwana na yako bwake la ndeko na yeo yogi. Beja na yo anazemi na ye. C'est ce monsieur mutape sanga mbongo pour que na bala beja alors que na soubassement. Il faut protéger Zemi ou Yé, à Pessa Mouana Naye, soi-disant Béja. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a une famille à Balabala pour que je ne sois pas ma famille Kuna, et puis la Bala Béja. Maintenant, hey. Aujourd'hui, tu m'apprends que Béja c'est ma soeur. C'est ma soeur. Oui. Béja c'est ma soeur. Elko. Elko, l'on nous fout, les gars. Elko, n'y a pas de temps. Béja. Béja. Non, mais toi, je vais t'expliquer, s'il te plaît. Tu vas m'expliquer quoi? Je vais t'expliquer, je Tu vas m'expliquer la façon dont tu m'as abandonné? Je ne t'ai pas abandonné. Tu vas m'expliquer la façon dont je suis enceinte de mon propre père? Je ne t'ai pas abandonné. Tu vas m'expliquer comment est-ce que je suis tombée amoureuse de mon propre frère? C'est ce que tu vas m'expliquer? Pardonne-moi, s'il te plaît. N'abandonne-moi, Langaï. Tu veux vraiment que j'avais pas de possibilité de t'élever, tu comprends? Ne me touche pas, ne me touche pas! Maman, je ne comprends pas la faute na Kati. On est fautif na Kati, on est dans mon bal, tiens. Mais maman, tu vas te la rabana. Je ne sais pas si tu es là. Tu vas regretter après ma fille. Je te l'ai interdit, ne m'appelle pas, je ne suis pas ta fille. C'est calme. J'irai nulle part avec toi. C'est calme, ok. Maman, tu demandes à Béja de vivre avec toi. Elle sera comme ma soeur, bien comme ma proposante. Il y a des gens qui ont besoin de la Heureusement que je n'ai jamais fait quelque chose de mal, du genre relation sexuelle avec cette dame. Et si je l'avais fait, je vais récupérer ma fille. Mais elle refuse, tu laisses maman. Mais c'est quoi ça? C'est ma fille. C'est ta fille. C'est maintenant que tu viens que c'est ta fille alors. Merci. C'est ça un homme. Tu dois plutôt que maman porte un bébé. Il est son père.